De nouveau sur TV et Radio de Vie. Bonsoir mes amis, que Dieu vous garde. Seigneur, merci pour ta grâce. Conduis-nous ce soir au nom de Yeshua. Amen. Voilà une autre nouvelle que je voudrais vous partager. Hein. C'est la mission, qui sera effectuée bientôt. Donc à la nouvelle Polynésie, à la Polynésie française. Voilà. Donc nous serons enfin à la Polynésie française à partir du 27 juin, voilà, 27 juin, on sera à la Polynésie française. C'est quand même plus de 20 heures de vol, mes amis. Et Paris, Los Angeles, et Los Angeles, la nouvelle Polynésie ou la Polynésie française. Voilà, on y est et je sais que beaucoup sont fortifiés, beaucoup sont encouragés. Il y a des frères et sœurs là-bas qui nous attendent depuis quelques années hein, déjà. Et on verra si Dieu permet, pourquoi pas, de faire un petit tour en Australie, à Sydney, pour aussi apporter l'évangile. Parce que je pense que de la Polynésie française à Sydney, il doit y avoir à peu près dans les 4 heures de vol. Et pourquoi pas, si Dieu permet, mes amis. Et l'Australie aussi est de plus en plus touchée, hein, des frères et sœurs qui sont là-bas et qui nous suivent. Voilà. Et Dieu travaille. Merci en tout cas pour vos prières. Merci aussi pour... mes amis, vos conseils. Alors ce soir, on voudrait faire une émission spéciale, hein, téléphone ouvert. Vous pouvez, si vous le souhaitez, appeler pour nous poser vos questions. Voilà, donc c'est à vous. Donc ce n'est pas pour avoir une BGC, bien sûr, et surtout pas la dernière version. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous pouvez appeler pour poser vos questions sur le plan doctrinal, des questions d'ordre doctrinal. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Donc le téléphone est là, 01 64 98 90 45. Et je voudrais aussi personnellement, et aussi au nom du Seigneur Yeshua, au nom de l'équipe de TV de Vie, présenter aussi nos condoléances à toutes ces familles belges, européennes, africaines qui sont touchées de près ou de loin par les attentats qui ont, n'est-ce pas, visé la Belgique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu plusieurs, mes amis, détonations hein, donc, ce matin à l'aéroport de Zaventem et également dans un métro également à Bruxelles. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de morts, plus de 34 personnes qui ont trouvé la mort voilà, donc le bilan ne fait que voilà augmenter et puis est revu à la hausse. Et on voudrait vraiment penser à ces personnes, à ces familles qui sont endeuillées dans nos prières. Et mes amis, nous, comme la parole le dit, nous devons pleurer avec ceux qui pleurent, nous devons nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Même si certaines personnes touchées par ces attentats sont, n'est-ce pas, athées, mais étant humains, et étant aussi chrétiens, nous devons compatir à la souffrance des uns et des autres. Quand bien même notre Dieu frapperait certaines personnes, mes amis, les prophètes dans la Bible, les chrétiens dans la Bible pouvaient aussi implorer la miséricorde du Seigneur. Et je voudrais aussi prendre cette parole dans le livre de Luc chapitre 12. Et parce que notre but, bien sûr, ce n'est pas de condamner les œuvres des ténèbres, bien sûr, mais de supplier aussi le Seigneur pour qu'il puisse épargner les personnes et les sauver. Voilà. Et dans Luc chapitre 12, et au verset, à partir du verset 1er, voilà. Que Dieu soit béni pour son œuvre, l'œuvre qu'il accomplit hein, dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées. Luc chapitre 12, le verset 40, à partir du verset 44. 42, à partir du verset 42, voilà, précisément. Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses domestiques, sur les domestiques de sa maison, pour leur donner la nourriture au temps convenable. Béni est ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en son cœur, mon maître tarde longtemps à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger
à boire et à s'enivrer, le maître de ces serviteurs-là viendra en un jour qu'il n'attend pas et à une heure qu'il ne sait pas. Et il le coupera en deux et lui donnera sa part avec les infidèles. Voilà le retour du Mashiach. Nous savons qu'il est en train de revenir. Hier, nous avons parlé de la confusion. On a parlé de la confusion, on a parlé aussi des attentats, rapidement, qui peuvent semer la confusion, le trouble, le doute. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement ce matin. Dieu est en train, mes amis, de nous appeler, de nous parler. Et je voudrais aussi nous dire, pour ceux et celles qui se permettent tout de suite d'aller faire des vidéos pour dire, voilà, c'est Satan, c'est Dieu qui a frappé. Et mes amis, parce que c'est des méchants, je voudrais vous dire qu'un jour, dans la Bible, le Seigneur a été, n'est-ce pas, accosté par des personnes qui lui parlaient de la tour de Siloé qui était tombée sur des personnes, sur des gens, et particulièrement des personnes dont Pilate avait mêlé le sang avec leur sacrifice. Et le Seigneur leur dira, ben, pensez-vous que ces hommes et ces femmes étaient plus méchants que vous, plus pécheurs que vous? Et également, il a fait mention de la tour de Siloé qui s'était écroulée sur des personnes et qui malheureusement était, avait trouvé la mort. Le Seigneur leur dira, ben, ces personnes-là également n'étaient pas plus méchantes que les autres. Mais simplement, mes amis, nous devons tous nous repentir. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus facile quand quelqu'un décède de commencer à tout de suite dire, voilà, c'est Dieu qui a frappé et parce que c'était une personne méchante. La mort est quelque chose qui nous vise tous. Personne ne peut dire qu'il ne mourra pas. Personne. Nous sommes tous concernés, de près ou de loin. Et ce qu'il faut se dire, c'est oui, il y a des personnes que Dieu frappe, qui meurent avant le temps, parce qu'elles n'ont pas voulu se repentir. Mais mes amis, nous devons avoir tous, bien sûr, la crainte et le trembler. Nous devons tous trembler devant la présence du Seigneur, parce que, mes amis, ces jugements peuvent aussi nous toucher. D'ailleurs, il est écrit que le jugement va commencer par sa maison. Et lorsque Dieu frappe quelqu'un, et nous devons beaucoup plus, mes amis, tirer des leçons et apprendre la crainte de son nom et demeurer dans la crainte plutôt que de se réjouir. Voilà, donc que Dieu nous garde. Je crois que nous avons quelqu'un en ligne, si je ne me trompe. Donc non, on n'a encore personne. Voilà, donc le maître reviendra à un moment, à une heure à laquelle nous ne nous attendons pas. Et comme Thessaloniciens le dit, hein, Paul le dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, lorsque les hommes diront paix et sûreté, c'est alors qu'une souffrance, une douleur terrible s'abattra sur eux. Et tout ça, donc il faut vraiment être prêt, hein, toujours prêt pour le retour du Mashiach. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, quand on voit, mes amis, le temps dans lequel nous sommes, comme il est écrit ici, hein, donc... on a été établis comme des économes et nous devons être fidèles et prudents. La fidélité, pourquoi? Parce que ben, l'ennemi veut nous détourner de la voie du Seigneur. L'ennemi veut nous amener à le servir. La chair veut à tout prix nous éloigner du Seigneur, de sa parole. Donc nous devons être fidèles jusqu'au bout. Et ensuite, nous devons aussi être prudents. Pourquoi? Parce que à tout moment, l'ennemi veut nous tuer. À tout moment, Satan ainsi que ses serviteurs, sa servante veulent nous, n'est-ce pas, nous tuer. Et Satan est présenté comme le serpent ancien qui veut bien sûr injecter son venin dans nos cœurs, dans nos pensées. Et c'est pour cela qu'il nous faut être prudents, comme le Seigneur le disait, hein, soyez prudents comme les serpents. Les serpents sont très très prudents. Pourquoi? Parce que tout le monde veut les tuer. Tout le monde veut le tuer et le Seigneur nous demande à être vraiment prudent parce que ce qui arrive aux autres peuvent aussi nous arriver si nous n'avons pas de prudence. Et voilà. Allô, bonsoir. Allô? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, j'aurais voulu poser deux questions en fait. On en parlait avec des personnes avec lesquelles on se réunit la dernière fois. En fait, je sais que vous en avez déjà parlé, mais il y a plein de gens qui continue à reposer la même question, c'est de savoir, c'est sur le mariage en fait, c'est est-ce qu'il est permis à un chrétien divorcé de se remarier, et si oui, dans quel cas? Et la deuxième question, c'est est-ce que le mariage entre des cousins est autorisé par la Bible? Voilà, c'était les deux questions que je voulais poser. Waouh,
Très, merci. Alors, je vais répondre avec la parole. Et je voudrais d'abord donner Luc chapitre 13 pour parler de cette histoire concernant Pilate qui avait mêlé le sang des hommes, des personnes qui faisaient leur sacrifice avec leur sacrifice. Donc Luc chapitre 13. Voilà. Et en ce même temps, quelques-uns qui se trouvaient là, présents, donc là présents, racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Et Jésus répondant leur dit, croyez-vous que ces Galiléens étaient des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de la même manière. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de la même manière. Donc voilà. Donc quand les gens sont frappés par des événements comme attentats, comme fusillades, comme d'autres maladies qui peuvent arriver, hein, donc nous devons beaucoup plus avoir cette attitude d'humilité et de crainte vis-à-vis du Seigneur pour pouvoir nous regarder à nous-mêmes et avancer. Voilà. Et bien sûr, quand le Seigneur qui frappe, quand c'est Dieu qui frappe, ben là c'est. C'est pareil, hein. On doit aussi, même si nous ne sommes pas forcément coupables, je veux dire, de manière consciente, nous devons quand même avoir cette crainte parce que, parce que Dieu est tout-puissant, parce qu'on ne se moque pas du Seigneur. Voilà. Alors, les deux questions de la sœur. Une personne divorcée a-t-elle le droit de se remarier? Alors, nous allons rapidement prendre les Écritures, hein. Donc, je dis déjà d'emblée non. Et parce que les Écritures nous disent effectivement que c'est pas possible. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 7. Voilà. Alors, 1 Corinthiens chapitre 7, on lira à partir du verset 1er. Or, quant aux choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je vous dis qu'il est bon à l'homme de ne pas toucher de femme. Toutefois, pour éviter la fornication, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme la bienveillance qui lui est due et que la femme de même la rende à son mari. Car la femme n'a pas de pouvoir sur son propre corps, mais c'est son mari. De même, le mari n'a pas de pouvoir sur son propre corps, mais c'est sa femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est par un consentement mutuel, pour un temps, afin que vous vaquiez au jeûne et à la prière, mais après cela, retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre manque de contrôle. Or, je dis cela par indulgence et non comme un ordre, car je voudrais que tous les hommes soient comme moi. Mais chacun a reçu de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Or, je dis à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves qu'il aurait bon de demeurer comme moi. Mais s'ils manquent de maîtrise, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Et quant à ceux qui sont mariés, je leur ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari, si elle s'en sépare, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, que le mari aussi ne quitte pas sa femme. Voilà. Donc là, on voit bien que Paul dit ici que s'il y a eu séparation, parce qu'il peut y avoir séparation s'il y a, bien sûr, de la violence physique. On ne va pas laisser une femme battue par son mari se laisser tuer. Bien sûr, quand c'est comme ça, mais il peut y avoir une séparation physique pour épargner la sœur, ou si c'est l'homme qui est battu, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont battus par leur femme, même si on n'en parle pas. Et quand c'est comme ça, il peut y avoir séparation. Oui, ça peut arriver, c'est écrit. Et dans ce cas-là, il faudrait que la femme, n'est-ce pas, qui s'est séparée, ou l'homme qui s'est séparé avec sa femme, demeure célibataire, demeure seule. Voilà. Et il ne peut y avoir remariage que si l'un des conjoints décède. C'est ce que la parole nous dit, justement, dans Romains chapitre 7. Ignorez-vous, frères, car je parle à des hommes, à des personnes qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme durant tout le temps qu'il est en vie. Car la femme qui est soumise à un mari est liée à son mari par la loi, tandis qu'il est en vie. Mais si son mari meurt, elle est délivrée de la loi du mari. Si donc du vivant de son mari, si donc du vivant de son mari, elle épouse un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si son mari meurt, elle est délivrée de la loi, de sorte qu'elle ne sera pas adultère si elle épouse un autre homme. Voilà ce que Paul enseigne. Le problème, c'était, enfin, on parlait avec des gens
Et la personne, c'était un peu un cas particulier, très délicat. Alors elle parlait du fait que le mari, il avait commis des choses vraiment atroces. Et en fait, apparemment, il serait sorcier aussi, et que le mari avait commis l'inceste. Et cette personne a été obligée de divorcer avec son mari, parce que sinon on lui enlevait la garde de son enfant. Voilà. Donc est-ce que elle aussi, elle est dans le même cas? Enfin, finalement, elle est divorcée depuis des années et autres. Mais est-ce que voilà, le problème, c'était, est-ce que elle avait la possibilité de se remarier? Alors pour moi, personnellement, je pensais comme ce que vous venez de dire, mais bon, j'ai pas la science infuse, et vu que vous êtes quand même des aînés dans la foi, et que voilà, donc j'aurais quand même voulu, je pense, et j'espère que la personne écoute ce soir, que c'est pour ça que j'explicite et que je vais un peu plus loin sans forcément citer le nom de la personne. Et est-ce que même dans ce cas-là, la femme est tenue de se réconcilier avec... On vous entend très mal. S'il vient demander pardon, ou alors, puisqu'ils sont divorcés, est-ce qu'elle est libre de se remarier? Parce que, en fait, vous savez, dans 1 Corinthiens, ce verset qui dit... que si le non-croyant veut se séparer, qu'il se sépare, la sœur ou le frère est libre dans ces cas-là. Et c'est parce que ils avaient aussi sorti ce verset-là. Est-ce que le frère, le monsieur, est-ce que vous pouvez pardon, nous aider par rapport à ça? Le mari de cette sœur, est-ce qu'il est un converti ou chrétien? Alors, on ne peut pas dire qu'il est chrétien, parce que vu ce qu'il a fait, et apparemment il serait sorcier. Enfin, ok. Vraiment... Donc, en fait, c'est pour ça que je pose cette question-là, parce que beaucoup de gens avancent comme, bien sûr, raison de leur divorce, le fait que l'un de conjoints soit sorcier. Enfin, non seulement il est sorcier, mais il y a quand même eu des abus. Ok. Donc, parlons d'abord de la sorcellerie. Et voilà. Bibliquement parlant, c'est pas parce que l'un de conjoints est sorcier qu'il faut aller divorcer. Le Seigneur indique sauf pour cause d'adultère. Mm. Et encore là, il ne faut pas prendre ce verset hors de son contexte. Mm. Parce qu'il faut tenir compte de la démarche biblique à effectuer lorsque un de conjoints, chrétien bien sûr, commet, n'est-ce pas, une infidélité. Notamment l'adultère. On applique dans ce cas-là Matthieu 18, 15. Il est dit, si ton frère a péché, va le prendre, va le reprendre entre toi et lui. Si tu écoutes, tu l'as gagné. Donc tu peux reprendre la personne pendant des années, seul d'abord. Et ensuite, si la personne ne veut pas changer, ben là on peut prendre, n'est-ce pas, un ou deux témoins. Et si la personne refuse de se repentir, ben on en parle à l'Assemblée. Et puis l'Assemblée aussi va intervenir tout ça pour amener la personne à la repentance. Et si toutes ces démarches-là sont effectuées, parce que ça peut prendre des années, des années, des années, la personne refuse, et encore là, par rapport à l'adultère, il faut, comme je disais, avoir une vision panoramique, c'est-à-dire appliquer également Hébreux 12, où il est dit, Hébreux 13, pardon, où il est dit que le mariage est honorable, le mariage est honorable entre tous, et le lit nuptial doit être, n'est-ce pas, gardé de toute souillure. Donc ça veut dire quoi? Chez les Hébreux, l'adultère ne pouvait être constaté que si l'acte avait eu lieu dans le lit conjugal. C'est pour cela, dans Jean 8, lorsque la femme, n'est-ce pas, surprise en plein flagrant délit d'adultère, a été amenée par les pharisiens devant le Seigneur, bien sûr, n'a pas voulu condamner cette personne, cette femme, aussi parce que les pharisiens n'étaient pas justes dans leur, n'est-ce pas, jugement, parce que ils ont laissé le monsieur filer. Parce qu'ils étaient, n'est-ce pas, ils n'étaient pas corrects, ils n'étaient pas justes. Donc, ils ont attrapé les deux dans le lit conjugal, ils laissent le gars filer et ils amènent la femme. Donc, voilà. Donc, en fait, l'adultère ne pouvait pas être constaté que si le lit conjugal était souillé. Et voilà. Donc quand on dit qu'il faut prendre des témoins,
Si ton frère a péché, va prendre, d'abord reprends-le entre toi et lui. S'il refuse, déjà, s'il faut l'attraper sur ton lit conjugal, je ne dis pas que quand ils font ça ailleurs, ce n'est pas l'adultère, mais je veux dire, il faut quand même que le lit conjugal aussi soit, il faut vérifier là-dessus, qu'il y ait aussi cet acte sur le lit conjugal. Et deuxièmement, on nous dit qu'il faut prendre un ou deux témoins. Nous parlons le français, ma sœur, et qu'est-ce qu'un témoin? C'est une personne, hein, qui a assisté à un événement. C'est une personne qui a non seulement vu, mais qui a aussi entendu. Donc le témoin là, c'est-à-dire la femme qui dit que son mari le trompe, elle doit, n'est-ce pas, prendre d'abord le constater sur place, sur le lit, et si le monsieur veut pas changer, la femme prend des témoins pour leur dire, venez voir mon mari en train de commettre l'adultère sur le lit. Et les témoins doivent constater. C'est ça. Donc c'est pour cela que quand les gens prennent la parole de Yeshua pour dire, voyez, le Seigneur a dit dans Matthieu 5, sauf pour cause d'adultère. Donc voyez, le Seigneur même a validé le divorce. En fait, ils font dire à Yeshua ce qu'il n'a pas dit. Il faut prendre la, faut avoir une vision, n'est-ce pas, globale sur, il faut parler de, quand on veut parler du mariage, du remariage, tout ça dans la Bible, il faut prendre tous les passages qui parlent de cette situation. Et là, en fait, et encore, on va plus loin. Yeshua dit ceci. Il dit, Pierre pose la question au Seigneur. Il dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il aura péché contre moi? Le Seigneur n'a pas dit, Pierre a dit, Seigneur, 7 fois, parce que pour lui, en tant qu'Hébreu, 7, c'était le summum, c'était, il n'y a pas de, hein, il n'y a pas d'autre chiffre au-dessus de 7, parce que c'est la perfection. Le Seigneur, qui est tellement Dieu, qui est tellement puissant, lui dit, Pierre, il y a d'autres 7 que tu n'as pas vu. Il lui dit, c'est 70 fois 7. Donc, 80, c'est 490 fois par jour. Ça veut dire que la femme qui veut vraiment divorcer doit constater, doit trouver son mari sur le lit conjugal en un jour avec 490 actes sexuels. En fait, la barre est tellement haute que le Seigneur, c'est comme s'il disait, eh ben, il faut pardonner. Mais là, il ne dit pas qu'il faut, il n'encourage pas l'adultère parce que celui qui commet le péché, ben, il peut aller en enfer s'il meurt comme ça. Celui qui pêche, il s'éloigne de Dieu. Donc c'est juste pour nous montrer que Dieu est contre le divorce et le remariage. Donc, une femme qui commet l'adultère 490 fois par jour et le mari l'attrape comme ça et les témoins attrapent aussi la personne dans cette situation et refusent. Là, pour arriver à ça, il faut vraiment que cet homme ou cette femme soit des champions, hein, de Soit voilà. malade Donc, donc là, En si fait, il faut on regarde pardonner. Il faut pardonner. ce que la parole dit, normalement, le Seigneur ne tolère pas le divorce, même Non. s'il y a, encore faut-il que dans l'adultère, il y ait ce que vous venez de dire, ce qui est quand même assez rare. Effectivement, parce que ma sœur, c'est trop facile. Vous savez, le mariage est une alliance. Le mariage est un engagement. Dieu tient à ce que nos paroles soient respectées. Et donc, beaucoup de gens prennent des engagements comme ça par rapport au mariage et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont liés. Hein, quand on donne sa parole à une femme, on se lie. Hein, et par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras jugé, nous dit la parole. Et Dieu nous dit dans Malachie 2, il dit ceci, n'est-ce pas, au verset 16, car Yahweh, le Dieu d'Israël, a dit qu'il hait la répudiation. Donc, il hait la répudiation. Et c'est terrible. Donc, et c'est facile que de voir, il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, et puis ils vont dire, vous voyez, sauf pour cas d'infidélité. Alors, ils ne comprennent même pas que le mot infidélité, là, Segond l'a traduit, c'est pornoïa, le terme grec, pornoïa, que Segond a traduit par infidélité. En fait, il a mal traduit. Et en fait, le mot exact, c'est adultère. Et là, chez les Hébreux, l'adultère, là, devait être l'acte sexuel qui, n'est-ce pas, n'était autre que de l'adultère, devait être constaté, hein, par la victime. Son conjoint ou sa conjointe devait être pris ou prise en plein flagrant délit d'adultère sur le lit conjugal.
tout ça, et des témoins devaient constater la même chose. Et ça, encore pour qu'il y ait, n'est-ce pas, révocation, il faut que l'acte soit commis sur le lieu conjugal plus de 490 fois par jour. Et on comprend pourquoi les apôtres disaient il n'est pas avantageux de. C'est pour cela. Tu as tout compris, on peut se tutoyer. C'est pour cela que quand Pierre, Jacques et Jean ont entendu le discours de Yeshua sur le mariage, sur la femme, ils se sont dit, mais il est beaucoup plus avantageux d'être célibataire que marié, parce qu'ils ont compris que c'était une alliance, c'était un joug. Et Dieu dit dans Matthieu justement 19, il dit que l'homme ne sépare parce que Dieu a mis ensemble sous un joug. Qui peut briser ce joug-là? Voilà, donc c'est clair. En fait, quand le Seigneur dit sauf pour cas d'adultère, mais en fait, qu'est-ce que la Bible appelle adultère dans le mariage, hein? Ah oui, c'est la mauvaise compréhension en fait. Voilà. D'accord. Comment l'adultère doit être peut-il être constaté? À quel moment on peut dire vraiment oui, même dès le premier acte, hein, mais là il faut qu'il y ait témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu, quelqu'un qui a entendu. Parce que c'est facile de dire mon mari m'a trompé, on va dire non, les témoins sont là, tout ça. Mais oui, mais l'acte, ben, il faut qu'il. Voilà, tout ça. Et puis c'est facile. Le Seigneur dit l'infidélité, il ne parle pas de la sorcellerie. Si ton mari est sorcier, ben, il faut prier pour sa conversion. Beaucoup de pasteurs, parce qu'ils commencent à avoir du succès, ils commencent à avoir des belles femmes autour d'eux, ils se réveillent du jour au lendemain en se disant ma femme a vieilli, ben, je vais prendre une femme beaucoup plus jeune, ma femme est sorcière, voilà pourquoi. Ben, si ta femme est sorcière, ben, il faut la délivrer. Voilà. Et pour ce qui est du mariage des cousins germains, est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est toléré par la Bible ou c'est Bon, l'inceste était toléré avant que la loi ne soit bien sûr promulguée, tout ça, et parce que Adam et Ève ont eu des enfants, ces enfants ont eu des enfants entre eux, hein, voilà, parce que nous sommes tous descendants d'Adam et Ève. Et maintenant, à un moment donné, le Seigneur a mis de l'ordre, hein, a mis des règles. Donc voilà la raison pour laquelle le Seigneur a révélé la loi. La loi, c'était pour mettre des règles, pour mettre des limites. Donc voilà. Et quand la loi a été révélée, Yeshua est venu, la loi de Dieu, par excellence, est venue. Yeshua, avec la croix, eh ben, il a réglé tout ça. Donc aujourd'hui, aller épouser son cousin, sa cousine, ça revient à épouser sa... Voilà, ça. Donc c'est l'inceste devant le Seigneur, bah, pour un chrétien. Bien sûr, bien sûr. D'accord, ok. Merci beaucoup en tout cas. Même les lois humaines interdisent cela. Hein. D'accord. Mm-hmm. Ok, merci beaucoup. Bon courage, ma soeur. Voilà. Au revoir. Waouh. Voilà, c'est des questions qui nous poussent à sortir un peu tout ce que le Seigneur nous enseigne. Hein. Vous voyez, c'est chaud. Hein. Comme les frères me font signe dans le studio, si c'est chaud, c'est chaud. Ben, on n'avait jamais vu les choses comme ça. Voilà. Voilà. Donc Pierre a dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? 7 fois seulement. Et puis après je le vire. Il s'est dit, parce que ton mari, ma soeur, c'est ton frère avant tout. Avant de l'épouser, nous qui sommes chrétiens, nous sommes d'abord frères et sœurs. Hein? C'est comme ça qu'on s'appelle. Bah oui. Bah oui. On n'avait pas vu les choses comme ça. Nous avons tous un même père, donc nous sommes frères et sœurs. Bah oui. 490 fois où ton mari sur le lit conjugal va commettre le péché, tout ça là, avec témoin à l'appui qui voit ça, qui note, qui compte. Et bien, mes amis, même si le mari en question prend des produits tels que le Viagra, je ne pense pas qu'il va pouvoir tenir avec 490 femmes en un jour. Voilà, donc c'est même les prostituées, ils battent pas ce record. Hein, hein? Donc c'est pour nous montrer que le Seigneur ne veut pas de divorce et remariage, et puis voilà, c'est tout. Et là, s'il y a des problèmes, on peut se séparer pour éviter qu'il y ait, n'est-ce pas, mort d'homme, et tout ça. Mais Paul dit, il faut prier, hein, faut prier. Excusez-moi si certains se sentent mal ou condamnés, moi je ne condamne personne, je ne fais que dire ce que je lis dans la parole, et puis voilà. Donc Dieu est capable de restaurer, de changer les choses. Allô, bonsoir. Oui. Ah bonsoir, oui, excusez-moi. Voilà, je vous téléphone parce que j'aurais une question à vous poser en fait concernant en fait la politique et la Bible, si vous voulez. Parce que bon, c'est vrai que j'avais lu votre ouvrage qui s'appelle L'esprit de Jézabel en fait, et c'est vrai que vous avez écrit un chapitre finalement qui aborde l'aspect de la politique finalement concernant la politique et la Bible en fait, quoi.
Et finalement, je voulais vous demander en fait ce qu'il en était peut-être plus clairement, parce que si vous voulez, je vous ai entendu aussi une fois dans une émission qui passait sur la télé de vie dire comme ça le cas finalement d'un homme en Afrique qui ne voulait pas faire de la politique finalement, mais qui a été quand même admis, si vous voulez, au sein d'un gouvernement africain. Pour être un ministre finalement. Ok. Donc moi je me suis demandé comment cela est-il compatible avec ce que vous aviez écrit, d'après ce que je me souviens en tout cas dans le livre L'Esprit de Jézabel, puisque dans le livre de L'Esprit de Jézabel, vous aviez dit, je crois en tout cas, vous me reprendrez si effectivement je me trompe, mais je vous aviez dit par exemple qu'il serait très difficile par exemple à un président de rester dans la foi chrétienne authentique. Et de rester au pouvoir, notamment parce que sinon, s'il voulait commencer, par exemple, à pratiquer bah, l'évangile en tant que président d'une république, par exemple, ça serait comme une guerre civile, finalement, parce que si, par exemple, ce président-là commençait à s'opposer à ce qu'il y ait des mosquées, admettons, par exemple, dans le pays, ça créerait une guerre civile. Alors, vous voyez, je voulais savoir, en fait, est-ce qu'il y a des cas, quand même, où il faut se baser peut-être sur le cas aussi de Joseph dans la Genèse, par exemple, qui lui a été élevé à un moment donné pour être auprès de, bah, de la personne la plus importante du pays, quoi. Alors, où est l'équilibre, en fait, par rapport à cela? Vous voyez, je voulais avoir un petit éclaircissement éventuellement, bien sûr, par rapport à la parole là-dessus, s'il vous plaît. D'accord. Alors, très bonne question et ma position, enfin ma position, ma position vis-à-vis de l'engagement politique des chrétiens, notamment des églises, n'a pas changé parce que la parole est claire là-dessus. On ne peut pas servir pleinement notre Dieu tout en s'engageant dans un parti politique, tout ça, et parce que nous savons tous que le monde est organisé en forme de pyramide. Donc voilà, et il y a des degrés, il y a des degrés. Donc si l'on veut, on va juste demander si c'est possible d'avoir la BGC, donc le site de la BGC, pour aller vérifier des mots grecs pour bien répondre à la question du frère, qui est quand même assez intéressante. Donc le monde est organisé en pyramide. Au sommet, bien sûr, de laquelle il y a Lucifer, le Baphomet, la tête du bouc. Et si l'on prend des passages comme Matthieu 4 et Luc 4, lors de la tentation de Yeshua, Satan va lui dire clairement, hein, voilà, il lui a montré en un instant tout le royaume du monde, et il lui dit, si tu m'adores, toutes ces choses t'appartiendront, donc la gloire de ce royaume. Et il est présenté dans la Bible comme étant le Dieu de ce siècle, de cet âge. Nous savons que Yeshua, notre maître, va reprendre les règnes les règnes du monde lorsqu'il va revenir physiquement. Mais présentement, c'est encore les temps des nations. D'ailleurs, la parole le dit, hein, c'est encore les temps des nations. Donc, les temps des nations ne sont pas encore finis. Toutes les personnes qui veulent exercer une fonction quelconque au sein de dans ce bas monde, telle que une fonction présidentielle, tout ça, et seront obligées malheureusement de se compromettre. Parce que, je pense que beaucoup de chrétiens le savent également, le suffrage universel n'existait pas. Il n'existe que pour nous, hein, mais sinon, les dés sont déjà jetés, les gens sont élus ou encore votés ou imposés au peuple par le gouvernement, bien sûr, de l'ombre, le gouvernement mondial. Il n'y a qu'à voir comment les sociétés de sondage hein, procèdent. Hein. On parle des personnes sondées. Très peu le sont véritablement. Donc tout ça, c'est de la manipulation. Maintenant, moi j'ai pu voir certaines autorités, dont je tairai le nom, qui nous ont approchés pour entendre parler du Seigneur, pour recevoir la parole, et qui partageaient un peu les choses qu'elles vivent. Hein. Je me rappelle de ce monsieur qui est venu me voir. Je vais donner d'abord quelques exemples avant de rentrer dans la parole. Cet homme qui est venu me voir il y a quelques mois pour me dire qu'il se présentait à l'élection de son pays. L'élection présidentielle, et puis qui me dit en même temps qu'il a été approché par un groupe de personnes, des lobbies, des gens des financiers tout simplement, des banquiers, et qui lui proposaient justement de financer sa campagne présidentielle, moyennant bien sûr, comment dire, en fait, cet homme devait leur donner carrément la gestion de toutes les forêts de son pays.
et également de tous les minéraux. Et donc, bien sûr, il a refusé et il n'a pas été élu. Et beaucoup également le savent, hein, que nos présidents, pour la plupart, sont nommés, hein, et puis imposés au peuple. Donc c'est difficile pour un chrétien qui veut rester intègre, honnête, n'est-ce pas, d'aller prétendre un jour diriger un pays, tout ça là. Maintenant, en ce qui concerne la politique, selon la parole, c'est vrai que vous avez évoqué le cas de Joseph, et il n'y a pas eu seulement, il n'y a pas eu seulement Joseph, il y a eu également Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, Effectivement, notamment qui était établi comme établi gouverneur. D'ailleurs, je l'ai médité ce matin, cet après-midi. Et ce que beaucoup oublient, c'est que ces hommes, Daniel, tout ça, Joseph, ont vécu à une époque où Dieu exerçait encore son autorité gouvernementale, royale sur Israël. Dieu était directement le Dieu d'Israël. Bon, à l'époque de Joseph, Israël n'était pas encore constitué en tant que nation, mais néanmoins, il n'y avait pas encore, comment dire, Dieu s'occupait directement des affaires des hommes. Il n'y avait pas encore le temps des nations, si vous voulez. Voilà. Donc, les nations n'étaient pas encore livrées à elles-mêmes par Dieu. Donc, voilà. Et donc, à l'époque des rois d'Israël, notamment comme Ézéchias, tout ça, l'Israël était une nation dont la constitution était basée sur la Torah. Dieu était directement leur roi. Donc, c'est normal qu'il y ait des rois croyants qui se référaient à la Torah, comme Ézéchias, comme Josias, comme tant d'autres. Maintenant, depuis les temps des nations, c'est-à-dire nous sommes au 6e siècle, hein, donc en 586, lorsque Jérusalem va être détruite par le roi Nabuchodonosor, eh ben, depuis ce temps-là, justement, les nations ont été livrées à elles-mêmes. Et Dieu, c'est comme si Dieu leur disait, ben, vous pensez que vous êtes assez grande pour pouvoir vous autogérer, ben, je vous laisse vous autodiriger, vous autogérer, et vous verrez que vous ne pouvez rien sans moi. Et là, justement, quelqu'un qui veut occuper un poste au sein d'un gouvernement ou d'un pays, un poste assez élevé et assez important, ben, malheureusement pour la plupart, hein, il doit automatiquement s'engager soit dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, mais pas tout le temps. Prenons la parole, nous sommes dans Hébreux, chapitre 10. On va vérifier un mot là. On va. Hébreux chapitre 10. Alors, on va vérifier ça dans le grec, mais avec sur le site de la BGC. Je pense que, je ne sais pas si chez vous, vous voyez déjà l'écran là de. Voilà, parfait. L'écran de. Donc le site de la BGC. Hébreux chapitre 10. Pardon, 11. Hébreux chapitre 11. Alors, on va vérifier là où il est écrit cité. Dieu leur a préparé une cité. Alors, il est question d'Abraham, je crois que c'est le verset, à partir du verset 17. Voilà, la cité. Peut-être Voilà, verset 10 verset ou 16. Verset 16. non. Le verset 16. 16. Est-ce qu'on peut aller vérifier le grec, le mot cité? Voilà, c'est polis, n'est-ce pas? Voilà, donc le mot cité vient du grec polis. Et polis, donc ce mot-là a été traduit en français par cité. Et polis a donné plus loin politique. Voilà. Donc, en fait, le mot politique vient de polis. Et chez les Grecs, polis signifiait tout simplement cité. Et la plus grande de cité chez les Grecs, c'était Athènes, l'une des plus grandes. Et les ecclésias, le mot ecclésia signifie simplement appel, hein, donc assemblée des personnes appelées pour s'occuper des affaires de la cité. Donc, dans un sens plus large, nous faisons tous de la politique. Je m'explique.
dans un sens beaucoup plus large, selon bien sûr les Écritures. En fait, quelqu'un qui travaille dans une mairie, il s'occupe de la cité. Oui, effectivement, oui. Voilà. Quelqu'un qui travaille qui travaille, je sais pas, à la sécurité sociale, quelqu'un qui travaille comme policier, comme militaire, et hein, ben, toutes ces personnes-là s'occupent de la cité, de leur ville, de leur pays. Donc, dans un sens beaucoup plus large, tout le monde fait de la politique parce que le mot politique vient de cité, hein, on l'a vu, donc vient de polis, le grec polis. Donc, maintenant, la politique dans laquelle nous ne devons pas nous engager, c'est celle qui consiste à créer des partis politiques et proposer des solutions, hein, des choses que l'on ne peut pas, n'est-ce pas, faire et faire croire aux gens qu'on est capable de changer leur situation alors on n'est pas capable de le faire. Et cette politique-là, ben, elle est basée sur le mensonge, sur la compromission, sur la concurrence. Et la compétition. Hein? Donc, et c'est ce que Dieu dénonce justement. Mais s'occuper de son pays, s'occuper de sa ville, ça doit être l'affaire de tous les chrétiens, de tout le monde. De tout le monde. Alors à ce moment-là, excusez-moi, en fait, est-ce qu'on peut dire, par exemple, si je prends un autre exemple que président, hein, pas forcément président, mais parlons maintenant justement d'un maire d'une ville. Alors est-ce qu'il peut, le maire d'une ville, à partir du moment où il ne serait pas engagé, éventuellement, je ne sais pas, hein, mais dans un parti politique bien précis, en fait, et que lui, il n'aurait pas l'intention d'être hypocrite envers les gens et de leur faire croire des promesses qu'il ne serait même pas capable de tenir. Est-ce qu'on pourrait imaginer alors à ce moment-là un maire d'une ville qui serait réellement converti? Alors à ce moment-là, Bien par exemple, sûr, est-ce que ça bien serait sûr, possible à la lumière de la parole? bien sûr, tout à fait, mon frère, bien sûr. Et j'insiste bien, hein, dans un pays comme la France, il y a des maires, hein, des petites villes, hein, des petits villages qui ne sont dans aucun parti politique. Ah oui. Et on voit ces maires-là, ils sont proches de leurs administrés. Parfois, il y en a, on voit les émissions à la télévision, qui ne gagnent pas grand-chose. Il y en a qui touchent juste 800 euros. Et ils sont intègres, ils sont corrects. Oui, pourquoi pas? Mais il faut comprendre que dans des pays comme la France, même dans d'autres pays, quand on commence à vouloir diriger une ville beaucoup plus importante, eh ben, on sera obligé malheureusement de faire partie du establishment, de faire partie de l'oligarchie. D'accord, oui. Voilà, parce qu'il y a des intérêts, hein. Je prends juste un exemple. Nous sommes dans un monde où l'on voit cette richesse, une forme de richesse monétaire, hein, donc financière, qui a été créée de toutes pièces par les hommes. Et ces hommes-là, ceux qui sont à la base de cette richesse, n'accepteraient pas qu'une personne devienne beaucoup plus importante, beaucoup plus influente sur le plan financier, matériel, sans s'être, comment dire, sans avoir fait allégeance, bien sûr, à l'autre, à Lucifer. On ne va pas vous laisser devenir beaucoup plus puissant financièrement sans, bien sûr, s'assurer s'ils ne sont pas sûrs que vous allez être contrôlés. Voilà, c'est pour cela d'ailleurs que de plus en plus on enlève l'argent monnaie pour nous encourager à utiliser beaucoup plus nos cartes bancaires, tout ça, parce qu'il y a le contrôle Effectivement. derrière. Voilà. Donc on ne peut pas laisser quelqu'un dans ce monde devenir beaucoup plus puissant financièrement, matériellement, s'il n'est pas contrôlé. Parce qu'on peut financer toutes sortes de choses avec l'argent. On peut faire. Voilà, donc aujourd'hui, par exemple, en France, on ne peut pas faire des achats avec enfin, des espèces de plus de 3 000 euros, c'est plus possible. Plus de 1 500 euros, c'est plus possible. Donc tout ça, il faut qu'il y ait une traçabilité, il faut qu'il y ait des traces. Donc il faut contrôler, il faut. Voilà, donc on peut être, oui, être maire d'un petit village, d'une petite ville comme ça, un petit patelin où il n'y a pas beaucoup d'administrés, beaucoup d'habitants, oui, parce que bon, ben, ce n'est pas des villes qui sont forcément convoitées, hein. Mais quand on commence à vouloir diriger une grande ville, telle que, je ne sais pas, Évry, telle que Paris, eh ben là, il y a la pyramide qui est là, ben, il faut faire allégeance, il faut s'incliner, il faut, en fait, il faut avoir un langage qui soit politiquement correct. Voilà même pourquoi, raison pour laquelle justement certains partis, notamment le parti
Et le Front National, par exemple, hein, qui commence à redorer un peu son image, tout ça, et à s'adapter, à changer. Tout ça, là, c'est parce que au début, ça va être un parti très, très contestataire, hein. Donc, voilà, c'est comme ça que ce parti a démarré. C'était pas, il ne visait pas forcément un poste quelconque, mais c'était juste pour contester. Mais dès l'instant où on commence à viser la gestion des postes clés pour gérer un pays, gérer des villes, eh ben, il faut petit à petit commencer à changer son discours, à s'adapter, voilà, à s'aligner, à se, voilà. Donc c'est comme ça se passe. Le monde est organisé comme ça. Donc voilà pourquoi un chrétien qui veut demeurer dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, dans la justice, ne peut pas malheureusement occuper une fonction très très importante au sein d'une organisation d'un pays tel que la France sans s'être sans se compromettre. Et par exemple la Justement, dame excusez-moi, Chora, mais je veux dire, concernant le pays africain, dont vous n'aviez pas d'ailleurs donné le nom, hein, mais donc cette personne-là qui a été ministre, finalement, c'est quand même une position très élevée dans un pays, hein, ministre effectivement, au sein du mais gouvernement d'un pays africain. pour votre information mon frère, Elle est c'est une acceptée, en femme. fait, par le, vous avez dit, le président de ce pays, en fait, sachant qu'il n'allait pas faire de politique. Mais alors, est-ce que lui, justement, à la lumière de ce que vous m'avez expliqué jusqu'à présent, il n'a pas un risque quand même dans ce qu'il fait pour ne pas se laisser compromettre à un moment donné par rapport à la parole? C'est une très bonne question. En fait, c'est une dame. Et d'ailleurs, j'étais en Afrique il y a quelques semaines. Je l'ai rencontrée, hein, dans ce pays. Et elle me disait qu'elle est en train de poser sa démission. Ah bon, oui. Parce que, effectivement, elle s'est aperçue qu'elle a été nommée à ce poste. D'ailleurs, elle a dit à son président qu'elle n'allait pas accepter ce poste. Elle s'occupait elle travaillait dans une banque et elle a été nommée à son insu. Et là, elle m'a expliqué, elle a été nommée tout simplement parce que, ben, parce que elle a vu qu'il y avait beaucoup de détournements d'argent, tout ça. Et puis, bon, ben, pour ne pas justement qu'elle aille parler ici et là, ben, elle a été nommée à ce poste-là pour être beaucoup plus près des autorités afin d'être contrôlée. Et là, ben, elle est en train de poser sa démission pour pouvoir partir et fuir. Ah d'accord, oui. Donc, on ne peut pas. Mais C'est à un c'est quand moment même donné. important à souligner parce que c'est vrai que si on ne disait que ce que vous avez témoigné dans une précédente vidéo, on aurait pu penser que ça venait vraiment du Seigneur et que sa place c'était de rester pour toujours, enfin tant que Dieu le permettait en tout cas dans cette fonction finalement sans forcément se compromettre, voyez. Voilà. Non, en fait, Dieu a permis effectivement qu'elle occupe cette fonction juste pour lui montrer ce qui se passe, hein, dans le pays. C'était pas sa place quoi Voilà, ce finalement. n'était pas sa place. Et puis elle a compris. Et puis bon, ben voilà, là, elle peut pas. Oui, Elle peut pas. d'accord, oui. Elle peut plus. Donc elle m'a dit, elle n'en pouvait plus, que c'était pas tenable. Donc c'est vraiment très difficile. Mais cela ne nous empêche pas, nous chrétiens, bien sûr, d'honorer les autorités, de prier pour elles. Et comme les Écritures nous le disent, hein, de prier pour elles, pour que le Seigneur leur donne l'intelligence, afin de pouvoir bien, pour qu'elles nous dirigent correctement. Mais on peut bien sûr travailler dans une mairie comme il y a beaucoup de frères et sœurs qui le font. Nous avons des frères et sœurs qui sont militaires, qui sont policiers. D'ailleurs, Jean-Baptiste, quand il a annoncé l'évangile aux soldats, quand il a annoncé l'évangile, les soldats sont venus le voir pour lui demander qu'est-ce qu'il devait faire. Et Jean leur a demandé simplement de se contenter de leur solde. Et c'est ce que nous disons aux frères et sœurs qui sont militaires, qui sont soldats, qui sont policiers, tout ça, et qui sont magistrats, qui sont avocats, juges, de rester intègres. Maintenant, si leur foi est menacée, si on commence à leur demander de se compromettre, ben là, ils peuvent effectivement se retirer. Oui, effectivement, Voilà. oui. Mais je crois Alors que, ça, c'est je crois intéressant comme... aussi. Enfin, moi, je ne sais pas exactement, mais c'est-à-dire que, bon, si on prend le conflit de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, je ne sais pas quelle position à l'époque un vrai chrétien, finalement, devait prendre vis-à-vis de la parole, s'il était soldat français vis-à-vis de l'Allemagne, par exemple, et l'Allemand vis-à-vis des Français, vous voyez? Je comprends tout à fait, c'est vrai que ce n'est pas évident. Ben là, c'est dans le cadre d'un conflit comme ça, là, ils sont soldats, ils sont militaires, ben, il faut qu'ils défendent le peuple, hein. Il faut qu'ils C'est-à-dire que défendent. même si un Allemand était gouverné par Hitler, finalement, à l'époque, il était dans l'obligation, en tant que militaire, de faire quand même son travail,
et de rester sous le commandement de Hitler, qui était pourtant Ah un non, pas du homme tout. Pas qui du en avait tout. vraiment contre notamment le peuple juif, avec Pas tout ce du qui s'est tout. passé et tout ça, quoi. Pas du tout. Quand on est, bien sûr, sous une dictature comme ça, étant chrétien, même si on est militaire, policier, on ne peut pas, bien sûr, Ah oui, voilà, à ouais, moi je... suivre aveuglément ces personnes. Ah, pas du tout, il faut prendre position pour la vérité, pour le Seigneur. Et d'ailleurs, et la parole est claire, hein, donc tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Et voilà, donc là, on est d'accord. Mais je crois en même temps, mon frère, que Dieu peut visiter un pays au point où son président, ses ministres, ses administrés se retrouvent tous à genoux devant Dieu, priant, craignant, comme c'était le cas avec Ninive, hein. Mais je crois en même temps dans le contexte actuel où le monde est devenu un petit village, hein, avec le gouvernement mondial, le nouvel ordre mondial, je crois en même temps que si ça arrive, c'est possible, ça peut arriver, nous le croyons, nous l'espérons d'ailleurs, et si ça arrive, je crois que ce président ne restera pas longtemps à la tête de ce pays. D'accord, donc ça peut arriver, mais malheureusement, vu le contexte actuel, il y a très peu de chances qu'il puisse rester volontairement dans cette fonction de peur de se compromettre finalement avec le Seigneur, quoi. Effectivement, parce que le problème, c'est que les Écritures nous disent que les Écritures le Seigneur dans les Écritures nous dit comment le monde va finir. D'accord. Le Seigneur, les Écritures nous disent que les nations vont s'unir pour attaquer Israël. D'accord, oui. Donc, on voit bien que nous, en fait, nous parlons par rapport aussi aux prophéties bibliques. Donc, les Écritures nous annoncent que les nations seront dirigées par l'homme impie. Et donc, c'est difficile justement pour un homme ou une personne, hein, une femme, qui craint Dieu de se retrouver à la tête d'un pays tout en refusant d'obéir aux ordres du gouvernement mondial. Donc, on va le faire tuer. Oui, c'est ça, Voilà, donc oui. c'est pour cela que c'est quand on comprend la parole de Dieu, quand on comprend les Écritures, notamment la prophétie biblique, ben on comprend que ben, nous allons régner, mais avec le Seigneur. Présentement, nous régnons par la foi sur le péché, sur les démons, tout ça, mais nous allons régner physiquement sur le monde, hein, quand Yeshua quand il aura établi son règne millénaire. D'accord, oui. Notre royaume n'est pas de ce monde, le Seigneur disait. Mais cela ne nous empêche pas, bien sûr, quand les politiques viennent nous voir, ils viennent, ils demandent conseil, on prie on leur donne des conseils, mais on ne devient pas leur conseiller parce qu'on sait que on ne peut pas être conseiller, voilà, par exemple, on ne pouvait pas être conseiller d'Hitler, hein, c'est pas possible. Donc on leur dit ce que la parole dit, comme Paul qui a été approché, ils ont approché ces députés, hein, dans Acte 13. Qui Oui. s'était converti, et il y avait certaines autorités dans les Écritures qui étaient touchées, mais à un moment donné, si on veut accéder à des responsabilités beaucoup plus importantes, ben, c'est difficile de ne pas accepter de se compromettre. J'ai vu dans le cadre du travail que le Seigneur m'a confié, par exemple, des généraux qui Oui. sont généraux mais qui ne veulent pas faire partie de la franc-maçonnerie. Ah oui. Il y en a un justement que j'ai rencontré dans un pays africain, un très grand général, et qui est en train, au jour d'aujourd'hui, j'ai eu sa fille qui me disait, papa est en train de quitter ce milieu parce que depuis des années, il refuse la franc-maçonnerie, il était dedans, il est sorti de là, maintenant, ben, il n'a plus certains privilèges, et effectivement, et là, il est en train de sortir de là. Donc, c'est difficile. Je vois. Là, je comprends mieux, d'accord, parce que je m'étais posé vraiment la question. Je dis, tiens, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction finalement dans ce que lorsque Chora avait dit par rapport à ces choses, quoi. Et je comprenais pas trop finalement à 100%, on va dire, le vrai contexte et puis les vraies raisons pour lesquelles tout cela était en question, en fait, quoi. Enfin, bon. Voilà. J'ai rencontré un deuxième général qui est un grand homme dans son pays et qui est proche de son président et qui, on lui a annoncé l'évangile, hein, la vérité, la sanctification, et qui me dit, moi, je ne suis pas dans la franc-maçonnerie, je refuse d'être franc-maçon, et ben, j'ai plus les privilèges que les autres ont, et ben, il se débrouille autrement. Et pareil, hein, c'est pas une position facile pour lui parce qu'il a été empoisonné à plusieurs reprises par ses collaborateurs. Et pareil, c'est des gens qui sont en train de sortir de tout ce milieu parce que c'est plus tenable, c'est pas tenable. Donc, oui, il y a des ministres
dans certains pays qui ne sont pas francs-maçons, qui ne sont pas rosicruciens, qui sont chrétiens, mais je crois qu'à cause de la pression, comme cette sœur qui est ministre, hein, et qui, bien sûr, commence à s'éloigner de ce milieu parce que la pression est telle que ben, ce n'est pas possible. On ne peut pas, par exemple, pour quelqu'un qui est ministre, si on lui dit d'aller bénir une mosquée, il ne va pas dire non. S'il dit non, ben, on le vire. Donc, c'est assez délicat. Et voilà, donc c'est pour cela que le Seigneur nous appelle, nous, Église, à nous tenir éloignés du monde politique, de la politique. On leur annonce l'Évangile, on ne les rejette pas quand ils viennent nous voir, on leur témoigne l'amour de Dieu, et on va même aller les voir pour leur annoncer l'Évangile, parce que le Seigneur a dit d'aller partout pour annoncer l'Évangile. Oui, bah c'est sûr, oui. Mais je veux dire aussi par là, parce qu'à un moment donné, vous avez évoqué la question de conseiller éventuellement des politiques, hein, mais qu'est-ce que vous vouliez dire par là, à ce moment-là, en tant que, je ne sais pas, par exemple, admettons un vrai prophète du Seigneur, il peut être amené quand même à donner un jour une directive pour un pays de la part de Dieu, même si le président n'est pas converti. D'ailleurs, je ne sais pas comment ça se passe là. Ouais, moi je crois que tout est possible à celui qui croit. Et quand on voit dans les Écritures, Nebuchadnezzar, bon, c'était à une autre époque, pareil, il y avait la théocratie, mais quoique Dieu n'était plus le roi d'Israël, parce que David, pardon, Daniel s'est retrouvé avec ses amis et d'autres juifs Justement, oui. à Babylone. Et on voit que Nebuchadnezzar, qui priait une autre divinité, qui avait ses idoles, et on voit que cet homme, par les conseils de Daniel, eh ben, il a plié ses genoux devant le Seigneur. Et je crois que Dieu, dans sa souveraineté, peut donner une parole à un chrétien, à une chrétienne, pour un président. Dieu peut dire à un chrétien, va voir cet homme et parle-lui de ma part. Je crois que c'est tout cela est posé parce que Dieu veut sauver tout le monde. Mais de là à devenir. Effectivement, pour donner une directive précise par rapport à une décision à prendre Bien sûr. importante dans un pays, par exemple, face à une situation critique, admettons. Alors même si le président en question ne se convertira pas forcément, il peut quand même recevoir ce conseil de la part du Seigneur et l'appliquer. Et voilà, ce serait Bien sûr. vraiment divin finalement, cette Bien chose. sûr. Mais ça, tout est possible, ça peut arriver, bien sûr. Mais de là à faire de ce prophète ou de ce chrétien le conseiller spécial du président, Ah non. d'accord, oui, il faut vraiment que ce soit alors à ce moment-là de manière très occasionnelle, on va dire, dans des circonstances bien précises. Voilà. Ah bon, d'accord, Voilà. oui, parce que C'est moi je comme, pensais que ça comme pouvait être Élie. vraiment fréquent, vous voyez, voilà quoi. Non, comme Élie quand il est allé voir Achab pour lui parler. Et Oui. maintenant, de là à devenir le conseiller spécial d'un président en tant que prophète, pasteur, prédicateur, là, c'est un peu compliqué, quoi. Voilà. Donc, et d'ailleurs, on a vu hein, ce que ça donne après. Hein, on a vu avec le cas de la Côte d'Ivoire, hein, où le président et sa femme étaient entourés des pasteurs. Malheureusement, la plupart, ce n'est tous, c'était des faux, parce qu'il y en a quelques que je connais personnellement. Et on a vu ce que ça a donné après, parce qu'ils lui ont tellement prophétisé des choses que le président a cru qu'il était devenu David et que la France était Goliath. Hein. Donc on a vu maintenant à quel point voilà, ce pays se retrouve complètement dans la confusion. Heureusement que Dieu a gardé son peuple et ses prophètes des malheurs, on les a vus après ça, se sauver au pays voisin, au Ghana, hein, donc pour se protéger. Donc et ça, c'est vraiment éviter. Nous prêchons l'évangile à tout le monde. Le Seigneur a dit prêcher l'évangile à toute la création. Et il a dit, vous témoignerez de moi devant des rois et des autorités, devant des rois, des magistrats, tout ça. Donc il a dit le Seigneur dans Marc chapitre 13. Oui, effectivement, oui. Et nous témoignons par sa grâce, sa parole à toutes ces autorités qui veulent bien sûr écouter la parole du Seigneur. Et maintenant, c'est à elles de s'organiser avec le Seigneur. Et puis voilà. Donc, maintenant, un chrétien authentique qui veut marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, il ne peut pas, malheureusement, s'occuper ou diriger un pays tout en étant intègre. C'est pas compatible. Parce que si vous êtes président d'un pays et on vous invite dans une mosquée pour son inauguration, vous ne pouvez pas dire non. Bah, vous voyez, je pourrais expliquer cela à une personne que je connais, là. Parce que j'avais discuté avec elle justement du cas, comme elle est du Cameroun, la personne à la base, hein, je lui avais dit que j'avais entendu ce témoignage que vous avez donné de cette personne-là qui était devenue ministre dans un pays africain. Et c'est vrai qu'elle-même, vous voyez, bah pourtant elle n'est pas, je veux dire, bon, enfin elle prie, mais je veux dire, elle est bon, enfin je ne la juge pas du tout, parce que vous savez, moi-même, je ne me considère pas vraiment comme un vrai chrétien, je préfère vous le dire tout de suite, vous voyez. Par souci d'honnêteté, je vous l'ai dit aussi, même publiquement comme ça, C'est bien. bon, je préfère vous le dire, vous voyez.
mais cette personne avec qui j'ai parlé, finalement, n'est pas vraiment quelqu'un de converti, on va dire, même si elle s'attache quelque part à la Bible et quelque part à Jésus. Mais bon, je sais qu'elle n'est pas réellement convertie. Mais quand je lui ai expliqué cette situation, elle m'a dit, moi, je n'y crois pas personnellement parce que je sais comment ça se passe dans les gouvernements. Voilà. Et donc, elle m'a dit, finalement, moi, j'ai du mal à croire que cette personne-là puisse être ministre tout en étant vraiment dans l'intégrité d'un chrétien, quoi, vous voyez. Et moi, voilà, je en fait, ne sais pas trop comment lui répondre par rapport à ça. C'est pour ça que je vous ai posé aussi la question. Et maintenant, je pourrais lui dire que, à la lumière de la parole, les explications aussi du contexte actuel de ce qui se passe en politique, effectivement, puis en plus, lui dire ce que vous m'avez dit, hein, que cette femme, finalement, maintenant, sera bientôt obligée, ou si ce n'est pas déjà fait, de se retirer parce qu'elle a constaté des choses illogiques, en fait, graves, et voilà, quoi, vous voyez. Oui. Mm-hmm. En fait, ce que je donne comme conseil aux frères et sœurs, c'est celui de ne pas d'emblée condamner les gens. Et de ne pas, comment dire, voilà, il faut d'abord approcher les personnes. Parce que quand j'ai vu justement ce général, notamment, qui cherche le Seigneur, dont qui prie, et dont la femme est totalement engagée dans la prière, quand j'ai vu qu'il me disait, quand il m'a dit qu'il refusait la franc-maçonnerie, je me suis dit, Seigneur, mais pardon. Donc il y a des gens qui occupent des postes, grands postes, et qui ne sont pas dans la franc-maçonnerie. Et ils ont la pression tous les jours, oui, mais ils ne sont pas dans la franc-maçonnerie. Et effectivement, beaucoup sortent de là par la suite. Beaucoup sortent de là au bout de 20 ans de service, 30 ans de service, et ils sont usés, ils sont fatigués parce qu'ils ont toujours la pression, et bien ils sortent, ils démissionnent. Voilà, donc d'autres prennent leur retraite anticipée. Donc il y a quand même des gens qui sont fidèles, des gens qui... Il n'y en a pas beaucoup. Dieu a toujours un reste. Il faut vraiment veiller pour ne pas condamner les gens parce qu'on va entendre que quelqu'un est colonel ou général. Tout de suite, on va dire c'est un franc-maçon, c'est un rosicrucien. Il ne faut vraiment pas avoir ce discours-là facile de condamner les gens. Et la parole d'ailleurs le dit dans Jean. Notre loi, disait Gamaliel, notre loi condamne-t-elle quelqu'un sans l'avoir écouté? Donc je crois qu'il y a beaucoup, on aura beaucoup de surprises quand le Seigneur va revenir. Et voilà, donc il faut comprendre quand même qu'il y a des enfants du Seigneur un peu partout et qui subissent des pressions et qui malgré les pressions restent intègres. Mais nous sommes d'accord que occuper certains postes, parce qu'il y a aussi des postes ministériels qui sont des postes clés. Par exemple, si on donne à quelqu'un en tant que ministre, on va dire ministre j'ai des frères qui sont, un frère qui est ministre conseiller, par exemple, dans son ambassade. Et il n'est pas franc-maçon et il craint le Seigneur. Il est ministre conseiller. Ah oui. Mais maintenant, si l'on veut être ministre de l'économie, ça c'est autre chose. Il y a des fonctions aussi dans le gouvernement qui, des fonctions régaliennes, hein, qui nécessitent aussi une certaine implication dans certains, voilà, il faut être impliqué, il faut être s'adhérer à. Adhérer à des mouvements ou à des organismes comme comment dire Rotary Club, Lions Club, tout ça. Oui, par rapport à la charge, par rapport à la responsabilité que ces gens ont, par rapport à leur influence, eh ben, il faut qu'ils soient plus contrôlés que d'autres ministres. Ça, il ne faut pas non plus l'oublier. Il y a des ministres dans les gouvernements qui sont beaucoup plus importants que d'autres. Oui, bien sûr. Donc, c'est en fonction aussi de la charge des gens, il faut se soumettre à l'ennemi ou pas. Et donc, il ne faut vraiment pas condamner d'emblée les gens. Il faut d'abord les approcher. Mais nous ne conseillons pas les chrétiens à s'engager dans la politique. Parce que ce n'est pas notre rôle. Surtout pas les frères et ceux qui veulent vraiment aller au ciel, quoi. D'accord. Et puis, si vous aviez juste une minute, s'il vous plaît, aussi, Chora, pour m'expliquer quelque chose. Parce que vous voyez, je rebondis par rapport à ce qu'a dit la personne qui vous a téléphoné juste avant moi, là, en fait. Mm-hmm. Vous savez, sur la question de l'adultère, hein, finalement, enfin, disons que dans la seconde, je vérifie sur la Bible online, là, en ce moment, vous voyez, sur ordinateur, bon, c'est bien écrit, répudie sa femme, sauf pour infidélité, vous voyez, alors j'ai cliqué sur la Bible online pour voir ce que veut dire en grec ce mot-là à l'origine, et bon, c'est pas uniquement apparemment adultère, ça peut dire aussi fornication, homosexualité, lesbianisme ou rapport avec des animaux, et en premier lieu, rapport sexuel illicite. Voyez. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce qu'on pourrait pas comprendre par là, finalement, que, je vais prendre un exemple, maintenant, dans un couple, maintenant, admettons, hein, qui s'est formé, marié, par exemple, admettons que le conjoint
un des conjoints, par exemple, se masturbe, hein, si vous voulez, quoi, même s'il n'a pas couché avec une autre femme, mais par exemple se masturbe, est-ce qu'on ne peut pas déjà considérer à ce moment-là que c'est, comme le Seigneur dit, que par la pensée, en fait, quand on convoite une autre femme, par exemple, on a déjà commis l'adultère. Alors comment faire la part des choses par rapport à cette traduction possible aussi d'après le grec? Ouais, en fait, le mot porno, il y a effectivement, parle plus de rapports sexuels que de l'infidélité. Parce que quand Segond dit traduit ce mot par infidélité, ben, l'infidélité peut ne pas être aussi l'acte sexuel. Donc, par exemple, une femme qui à qui son mari va donner, je veux dire, juste 100 € par exemple, pour le donner à quelqu'un et puis elle va le garder pour elle, c'est de l'infidélité. Hein? Donc, et c'est pour cela que le mot pornoïa est traduit essentiellement par l'acte sexuel, que ce soit effectivement quand on parle de l'acte sexuel Le Seigneur dit illicite. qu'on peut, enfin, qu'on peut, entendons-nous, hein, je veux dire que le Seigneur parle de répudier sa femme dans le contexte, on va dire, de l'adultère. Maintenant, est-ce que quelqu'un, enfin moi ça me paraît un peu logique, hein, mais je pose la question parce que tout à l'heure, je ne sais pas si vous aviez apporté ces précisions-là, par contre. Si vous voulez, parlons maintenant de l'homme dans le couple marié, par exemple, qui se masturbe, hein, malheureusement, quoi. À ce moment-là, eh bien, je veux dire, est-ce que la femme peut considérer qu'il est déjà comme dans un cas d'adultère, finalement? Bien C'est sûr, déjà bien sûr, l'adultère parce que, violent, presque, on va dire, bien quoi. sûr, Enfin, effectivement, mais dans le ouais, la cadre. cause d'un divorce, si vraiment l'homme ne voulait pas se repentir par rapport à ça et demander sa libération, ou demander pardon à la base et demander sa libération, vous voyez? Mais dans le contexte de ce passage, l'adultère, c'est vraiment un rapport, des rapports intimes avec quelqu'un d'autre, un autre conjoint. Donc, quand il est écrit, par exemple, dans le grec, là, sur la Bible online, qu'on peut traduire par fornication, par exemple, ou rapport sexuel illicite, je sais pas, C'est enfin. avec une autre personne d'abord, essentiellement parce que il faut comprendre dans le contexte, comment dire, par rapport à la culture hébraïque, par rapport à l'histoire juive. Et si on prend par exemple Matthieu 19, hein, parce que c'est là que les pharisiens vont poser la question au Seigneur par rapport au divorce. Hein, et le Seigneur va les, n'est-ce pas, va leur parler ils vont parler même de Moïse, en hein, disant que Moïse a, qu'est-ce que Moïse a dit, le Seigneur leur disait, qu'est-ce que Moïse a enseigné. Et Moïse disait justement que quelqu'un pouvait donner une lettre de divorce à sa femme s'il ne lui plaisait pas, hein, pour prendre quelqu'un d'autre. Effectivement, Et le Seigneur va dire au commencement, il n'en était pas ainsi, au commencement Dieu créa l'homme et la femme. Donc là, dans le contexte de ce passage-là, l'adultère fait plutôt allusion à une relation sexuelle avec un autre partenaire. ah oui, d'accord. Donc ça exclut à ce moment-là, par exemple, la masturbation, elle n'est pas concernée, la masturbation La aussi, masturbation, bien quand même, sûr, parce et que la je me pose la question, masturbation. moi, quand même, par La rapport à ça. masturbation, malheureusement, beaucoup des gens, même des chrétiens, encouragent la masturbation. La masturbation est un acte, bien sûr, un acte contraire à la parole du Seigneur, est un péché. Mais bien sûr, quelqu'un qui se masturbe alors qu'il est marié, ben, bien sûr, si on veut avoir, si on élargit un peu cette pensée, ben, bien sûr, c'est aussi de l'adultère. Mais si on reste dans le D'accord, oui, voilà ce que contexte. je voulais savoir, parce que c'est bien ce qui me semblait quand même, qu'on ne pouvait pas parler uniquement d'adultère dans le sens de deux êtres qui coucheraient ensemble, hommes et femmes, par exemple, quoi. Mais même déjà ce simple péché de masturbation, Bien ben sûr. voilà, peut provoquer éventuellement un divorce, enfin, je sais pas. Non, je pense pas. Je pense que un monsieur ou une dame un chrétien marié qui se masturbe a besoin plus de l'aide. Tous les autres, même ceux qui commettent l'adultère ici et là, ils ont besoin d'être aidés. Mais de là à aller divorcer parce que ton mari ou ta femme se masturbe, c'est pas. Voilà. Je comprends Même qu'une s'il femme. reste, disons que s'il le pratique sans, je veux dire, sans repentance, cette chose-là, qu'il continue à le faire, par exemple, si c'est l'homme, par exemple, la femme n'est pas forcément censée demander le divorce à ce moment-là, si vraiment elle voit qu'il persiste dedans sans vouloir s'en repentir et changer, quoi. Ben, déjà, on est d'accord que la masturbation, même si on est beaucoup combattu parce qu'on le dit haut et fort, la masturbation est un péché dans le sens où l'acte sexuel a été prévu par le Seigneur dans le cadre d'une union entre un homme et une femme. Donc, le mariage notamment. Maintenant, tout acte sexuel commis en dehors de ce cadre est considéré comme, bien sûr, péché. Maintenant, si dans un couple, l'homme ou la femme, l'un des conjoints pratique consciemment, volontairement la masturbation,
le mari, la personne, la conjointe ou le conjoint victime de cette chose ne doit pas forcément aller demander le divorce, doit plutôt prier pour que le Seigneur aide son conjoint ou sa conjointe. Voilà, parce que le divorce, si on veut se référer à la parole, doit être prononcé. S'il y a eu acte sexuel avec un autre partenaire commis dans le lit conjugal, comme la parole, voilà, il faut qu'il y ait constatation, il faut constater la chose sur le lit conjugal et que cet acte soit commis par plus de 490 fois par jour. Parce que le Seigneur a dit, il a dit, c'est pas pour justifier le péché, attention, pas du tout. Le Seigneur a dit à Pierre, Pierre pose la question, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Serait-ce 7 fois? Le Seigneur dit non, 70 fois 7 par jour. Ah, ça inclut en fait le pardon là sur les 490 fois par exemple, ça veut dire que on doit pardonner à la limite même si la personne coupable elle-même n'a pas demandé pardon, alors si je comprends. Bien sûr, parce que le Seigneur nous a pardonné alors qu'on n'a pas demandé pardon au préalable, quand il a dit Père pardonne-leur. Oui, ah oui d'accord, oui je vois. Et il est notre modèle. Je n'avais pas bien compris tout à l'heure quand vous l'aviez expliqué à la personne qui avait téléphoné avant moi. Ok. Je me suis demandé pourquoi est-ce que Chora parle de ces 490 fois, parce que moi je pensais que ça voulait dire pardonner quand la personne coupable avait demandé pardon et que là forcément on doit accorder le pardon quoi. En fait le pardon, on pardonne aux gens. Le Seigneur dit bénissez ceux qui vous maudissent. Oui effectivement oui. Waouh. Oui. Priez pour ceux qui vous persécutent. Waouh. Oui, oui. Et donc, le Seigneur est celui qui nous a montré le modèle, qui est notre modèle, l'exemple, pardon, nous a montré le modèle, l'exemple à suivre. La première parole qu'il a sortie à la croix, alors qu'il était en train de se vider de son sang, oui. Il avait du crachat partout, oui. Il avait des blessures partout, son visage était défiguré. La première parole qu'il libère, il en avait libéré 7, Père, pardonne-leur. Effectivement, je sais. Waouh! Effectivement, vous avez raison. Waouh! Ouais. C'est pas facile, hein? Non, ben je comprends, oui, effectivement. Oui. Et maintenant, ce pardon libéré va être effectif dans la vie de ceux et celles qui l'acceptent et qui, n'est-ce pas, reconnaissent qu'elles sont coupables, ces personnes qui reconnaissent qu'elles sont coupables et qui se repentent et le pardon que le Seigneur a libéré devient effectif. Oui, je comprends là. Donc pour résumer, parce que je ne vais pas vous tenir non plus monopoliser le temps de parole à moi tout seul, hein, je pense qu'il y a d'autres personnes qui veulent aussi intervenir à mon avis, mais je veux dire, si je résume la situation finalement par rapport à ce que vous avez dit, notamment les 490 fois, bah, à la limite, ça veut dire qu'un chrétien ne devrait pas divorcer du tout, finalement. Quoi. Non, en fait, c'est ce que le Seigneur... Et c'est pour cela, mon frère, vous voyez, le problème aujourd'hui des sectes, des fausses doctrines... En fait, pourquoi il y a autant de sectes, autant de fausses doctrines? Parce que on est... Notre approche, en gros, parce que notre approche des Écritures n'est pas bonne. Oui. Nous approchons les Écritures avec des versets et des chapitres. Oui. Alors que dans les textes originaux, ça n'existait pas. Oui, effectivement, oui. Donc, on va prendre Matthieu chapitre 5, on le sort de leur contexte, hein, 28, où le Seigneur dit, celui qui, n'est-ce pas, sauf pour cas d'adultère, là où tu peux divorcer. Donc là, il dit sauf pour cas d'adultère, bien sûr. Et là, on prend ce passage-là, on le brandit en disant, voyez, le Seigneur a dit que je peux divorcer. Mais on n'a pas tenu compte de l'ensemble des Écritures. Oui, oui. Et il faut plutôt se dire... Que dit la parole de Dieu sur le mariage, sur le divorce, tout ça? Et qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que Pierre a dit? Qu'est-ce que Paul a dit? Qu'est-ce que Jacques a dit? Qu'est-ce que Jude a dit? Et quand on prend tous les versets qui parlent du mariage, du divorce et remariage, on va se rendre compte qu'en fait, quand le Seigneur dit à Pierre, quand Pierre pose la question au Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il aura péché contre moi? N'est-ce pas? Or, et nous sommes tous frères et sœurs. Un chrétien qui est marié, eh bien, cette femme est avant tout sa sœur. Mmh. Et inversement, cet homme est avant tout le frère de la sœur. D'accord, oui. Et le Seigneur a dit 70 fois 7 par jour. Oui. Waouh. Autre chose, le Seigneur dit, si ton frère a péché contre toi,
va le voir entre toi et lui. Si tu écoutes, tu l'as gagné. Donc, il faut pas seulement essayer de ramener la personne au Seigneur une seule fois. Il faut faire plusieurs tentatives. Et si la personne refuse, ben, tu prends un ou deux témoins. Et nous savons tous que c'est un témoin. C'est quelqu'un qui a vu quelque chose, quelqu'un qui a assisté à un événement. Et donc voilà, donc les témoins doivent constater aussi l'adultère commis sur le lit conjugal. Donc tout ça, en fait, c'est compliqué. C'est pour cela que quand on sort des passages de la Bible hors de leur contexte, eh bien, on crée des sectes. On fait dire au Seigneur ce qu'il n'a pas dit. C'est pour cela que beaucoup tordent la parole du Seigneur. Et Parce que les. maintenant, pour conclure, parce que je ne veux pas non plus être trop long, mais je veux dire, j'ai quand même une question qui me, bah, que je me pose, si vous voulez, qui me paraît très importante aussi. Parce que bon, je ne dirais pas qui c'est, évidemment, mais bon, nous connaissons ici comment dire, on va dire la région locale où on habite, en fait, une personne, bon, bah, qui va dans une assemblée évangélique, hein, si vous voulez, une femme. Elle est mariée avec un inconverti. Et ce qui se passe, c'est que on a su, parce qu'elle l'a dit elle-même, en fait, elle l'a dit, hein, c'est pas un mystère, enfin bon, voilà, quoi, que son mari, en fait, pendant ce temps-là, bah, il entretient une autre relation, en fait, régulière avec une femme, voilà, quoi. Et puis cette femme-là, en fait, moi j'avais toujours été surpris quand même, parce que je me suis dit, mais comment se fait-il qu'elle décide de ne pas divorcer, finalement, sachant que lui, il persévère dans ce mal, et que, voilà, donc ça fait qu'elle reste, en fait, avec un homme, si vous voulez, bah, qui vit carrément avec une autre en même temps, quoi. Alors, aux yeux du Seigneur, vous pensez, je ne sais pas, enfin, que c'est juste, en fait, cela? Est-ce que c'est. Parce que c'est quand même un couple qui fonctionne à trois, finalement, quoi. Mais quand c'est comme ça, La durée, si quoi. l'adultère est avéré, hein, si l'adultère est constaté, ben, ce qu'on demande aux gens, ce n'est pas tout de suite d'aller divorcer, entamer des démarches administratives, tout ça, pour se séparer, je veux dire pour divorcer. Il peut y avoir séparation physique. Donc, ce qu'on conseille pour ne pas que la personne fautive, celle qui est, bien sûr, que la victime, hein, soit contaminée par toutes ces maladies sexuellement Bah transmissibles. justement, c'est aussi pour ça que je le dis, oui, parce que c'est vrai que ça peut être un problème quand même à ce niveau-là. Effectivement. Donc, ce qui est conseillé, c'est d'arrêter déjà les rapports intimes pour éviter justement qu'il y ait contamination. Donc ça, il faut faire les choses étape par étape. Il ne faut pas se précipiter au divorce. On fait les choses étape par étape. Vous savez, quand on se marie, là, on ne va pas se marier d'un seul coup comme ça. Il y a toute une démarche qui est faite, tout ça. Il faut d'abord se connaître, se rencontrer, faire connaissance. Il faut, voilà. Donc pareil, il faut suivre la procédure biblique. Je sais que un couple, une femme blessée par son mari, trompée par son mari, ou inversement, un mari trompé par sa femme, peut parfois vouloir, alors qu'il y a des blessures, hein, bien sûr, vouloir prendre des décisions de manière hâtive parce qu'on est des êtres émotionnels, très sentimentaux. Et il faut plutôt prendre du recul et dire qu'est-ce que Dieu ferait, qu'est-ce que Yeshua ferait à ma place, qu'est-ce que les Écritures nous disent. Voilà, comment procéder. Donc il faut être posé et agir comme la parole le dit, et non de manière charnelle parce qu'on est poussé par les émotions, parce qu'on est blessé. Donc en fait, quand vous dites se séparer ou arrêter les relations sexuelles, là, dans le cadre d'un couple qui fonctionnerait à trois, finalement, hein, je veux dire, voilà, je veux dire, c'est uniquement arrêter les relations sexuelles tout en restant sous le même toit avec l'homme. Mais si Comment l'homme. c'est qu'il trompe régulièrement sa femme, ou il faut vraiment se séparer physiquement Ben, ça aussi, de dépend. changer Si, d'appartement, il faut faire les choses de par choses comme étapes. ça, quoi. Si l'homme n'est pas violent, s'il n'est pas violent, ben, on peut faire séparation de chambre dans un premier temps, pour ne plus avoir, pour ne pas être contaminé, parce que si les enfants, C'est sûr, voilà, oui. donc même s'il n'y a pas forcément les enfants, mais voilà, chacun tient sa vie. Et ensuite, si l'homme est Oui. violent, ben là, on peut effectivement se séparer physiquement, quoi. Comme Paul peut le dire, pour un temps, Paul nous dit. Donc, je pense qu'il faut, après, chaque cas est différent aussi. Donc, il faut pas, faut veiller à cela aussi. C'est pour ça qu'il faut prier que chacun soit dirigé par le Seigneur. Il faut vraiment faire attention pour ne pas, Ah oui. voilà, faire n'importe quoi. Bon, bah là, je pense que c'est plus clair pour moi, parce que c'est vrai que c'est des questions qu'il faut vraiment approfondir, parce que c'est vrai que si on est trop superficiel, bah avec la parole, finalement, on peut faire dire effectivement des choses qui ne sont pas forcément 100% la vérité, et puis malheureusement commettre le mal même sans le vouloir, des fois, Et on mais est jugé par le Seigneur après. par ignorance, on va dire, quoi, voilà, quoi. Voilà.
Voilà, mon frère, bon courage. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir pris le temps de m'expliquer toutes ces choses. Pour moi, c'est quand même important, bon, de... Voilà, de savoir quand même ce que Dieu dit, parce que, comme je vous ai dit, je ne suis pas quelqu'un qui pratique à 100% la parole, hein, je le reconnais très bien, mais par contre, il y a des choses que j'ai comprises et que je veux quand même appliquer dans ma vie, parce que, voilà, je pense que le Seigneur en est quand même digne, finalement, et voilà, quoi. Bon courage, en tout cas, et je vous conseillerais vraiment de chercher davantage le Seigneur, parce qu'il revient. Et il faut prendre position pour la vérité, parce que la vie éternelle, ben, elle n'a pas de prix. Voilà. Donc, il faut tout faire pour aller au ciel. Merci. Au revoir. Voilà, bah bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, mes frères et sœurs. Voilà. Donc, c'est bien parce que ça nous permet d'approfondir un peu ce sujet, hein, parce qu'il est assez épineux. Hein, et, voilà, le sujet du mariage, divorce, tout ça, remariage. Et puis, voilà. C'est un sujet qui concerne tout le monde. Voilà, tout le monde. On est des êtres, bien sûr. Nous sommes des êtres sentimentaux et nous avons des problèmes à régler, des choses de la vie qui, n'est-ce pas, doivent être résolues. Tout ça. Donc, c'est pas toujours évident, mais il faut faire les choses par rapport à la parole. Ça, c'est très important. Voilà, donc nous allons prendre une dernière personne. Et ça fait 1h30 pratiquement d'émission. Donc, une dernière personne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, mon frère Chora, bonsoir. Voilà, j'ai deux petites questions. Hein. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Merci quand même pour ce frère qui a vraiment... il a pris du temps. On lui pardonne, hein. On l'aime. Amen. Amen. Mais c'était très intéressant, hein, voilà. Je vous remercie aussi, enfin, je te remercie parce que tu as précisé, tu sais, quand tu as dit le suffrage universel qui n'existe pas, etc. C'est très beau, c'est très intéressant, c'est très important parce que, en fait, beaucoup de chrétiens ne savent pas ça. Malheureusement. Malheureusement. Et merci qu'à chaque fois, quand tu prêches, tu le redis, tu le ressasses. Et voilà, gloire à Dieu. Et je pense que les gens vont aller de l'avant et vont comprendre beaucoup de choses. Amen. Voilà. De toute manière, tu le répètes constamment. Maintenant, voilà, j'ai ma petite question. C'est pour les quatre êtres vivants dans l'Apocalypse. Mm-hmm. Les quatre êtres vivants, hein, par rapport aux 24 anciens, mm-hmm. ce que j'ai compris, hein, mm-hmm. les 24, c'est lors de l'enlèvement. C'est après l'enlèvement qu'il y aura les 24 êtres vivants. D'accord. Par contre, pardon, hein, Chora, et les quatre êtres vivants existent-ils actuellement auprès du Seigneur? Ok. En fait, et les quatre êtres vivants et les 24 anciens, ben, c'est deux groupes je dirais pas, enfin, deux groupes de personnes, hein, mm-hmm. et, se retrouvent présentement, bien sûr, devant le trône du Père. Uh-huh. Oui, donc uh-huh. d'abord parlons des 24 anciens ou vieillards, donc anciens. Pourquoi 24? Pourquoi les 24? Pourquoi pas 25, 26? Je ne sais pas si vous le savez. On se tutoie parce que tu nous as appris à nous tutoyer. Je me sens on peut se tutoyer, bien sûr. C'est Chantal, là? Non, non, c'est pas Chantal, c'est Nadia. Ok, Nadia, merci. Merci, Nadia. Bonsoir. Ouais. Okay. Alors, dans 1 Chronique 24, je peux prendre ce passage vite fait, Nadia? 1 Chronique, ok. Donc, 1 Chronique 24, à partir du verset 1er. Oui. Et si tu médites ça ce soir, tu verras que David, avant sa mort, avait établi 24 classes de prêtres. Donc, 24 classes de prêtres. Et donc, nous supposons qu'il avait certainement eu une révélation par rapport aux 24 anciens autour du trône. Mmh. Voilà. Donc, on a cité les noms de ces classes de prêtres. Et parce qu'il y avait, bien sûr, chaque classe allait au temple pour remplir son rôle en fonction de... Chacun avait son tour, comme...
comment Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Hein? Ah oui. On va rapidement lire cela, donc dans Luc chapitre 1er. Donc chaque classe de prêtres attendait son tour pour aller exercer la prêtrise ou le sacerdoce dans le temple. Nous sommes dans Luc chapitre 1er. Et à partir du verset 5, au temps des rois, au temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un prêtre nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Et sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Et ils étaient tous deux justes devant Dieu, marchant dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur, sans reproche. Et ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et qu'ils étaient fort avancés en âge. Or, il arriva que, comme Zacharie exerçait la prêtrise devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, selon la coutume d'exercer la prêtrise, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Voilà. Donc, on voit bien que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, faisait partie de la classe d'Abia. D'accord. Abia était un de prêtres, bien sûr, un de grands prêtres hein, de l'époque. Donc, on voit bien qu'il y avait 24 classes et, hein, de prêtres. Et pourquoi 24 ? Eh ben, certainement, 12 devaient, certainement, ça c'est moi, 12 devaient, je pense que aussi beaucoup de gens le pensent comme ça, 12 devaient représenter Israël et 12 l'Église. Voilà, donc parce que les deux entités, Israël et l'Église, formeront une seule entité pendant hein, le royaume, hein, donc et, lors du règne millénaire de Yeshua, le Mashiach sur terre. D'accord, d'accord. Donc présentement, ok, tout ça, c'est effectif, on va dire, au jour d'aujourd'hui. Effectivement. Puisque ce que j'ai appris par-ci par-là, enfin ce que j'entends par-ci par-là, et je ne veux pas rester dans la confusion, c'est que on dit que les 24 anciens seront, comment dire, effectifs ou réels une fois que le sceau a été, le premier sceau a été ouvert par le Seigneur. En fait, ça, ce que certains, c'est la première fois que j'entends parler de cela, parce que c'est quand même assez étonnant. Alors que les Écritures nous montrent clairement que ces anciens sont déjà présents devant le trône. Franchement, c'est vrai que quand je lis, en tout cas pour les 24, j'étais un petit peu pas sûre, mais pour les 4 êtres vivants, j'étais convaincue et quand je lis, ils sont devant le trône du Seigneur, puisque quand on lit Ézéchiel 36, c'est peut-être pas ça, Ézéchiel 30. Ézéchiel, chapitre 1er, déjà, on voit les quatre êtres vivants. Ézéchiel, hein, c'est ça. Hein. Mm-hmm. Voilà, Ézéchiel, on voit les quatre êtres vivants. Mm-hmm. Voilà, exact. Un qui disent Saint, 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 et le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, n'est-ce pas? Et puis quand on voit dans Apocalypse 4, par exemple. Oui. Après ces choses, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, et qui parlait avec moi, me dit, monte ici, je te montrerai les choses qui doivent arriver à l'avenir. Oui. Ouais. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici un trône était dressé dans le ciel. Donc, on voit bien que, on ne va pas dire que le trône allait être dressé, il était déjà là. Il était dressé, oui. D'accord. Dieu dit dans Ésaïe 66, verset 1er, le ciel est mon trône. Donc les choses à venir, ça n'a rien à voir avec la présence effective des 24 anciens devant le trône. Ça, c'est leur présence, et ces anciens étaient déjà là. Et parce qu'ils voient le trône, bien sûr, qui était déjà, quelqu'un était assis. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, il a toujours été sur son trône. Et celui qui était assis était semblable à une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Et il y avait autour du trône 24 trônes, et je vis sur ce trône 24 anciens assis. Oui. Donc, vêtus de vêtements blancs et ayant sur leur tête des couronnes d'or. Et voilà, donc on voit déjà que ces anciens étaient déjà là, et Jean les a vus. Donc, il n'a pas vu ici, là, il ne parle pas encore des choses qui vont arriver. Les choses qui vont arriver, c'est plus loin. À partir du verset du chapitre 5. Allez, ok. Vous voyez, parce que là,
au chapitre 4, Jean arrive au ciel et il découvre l'environnement du ciel. Eh oui. Il découvre le décor. D'accord. Voilà. Okay. Et là, les choses qui vont arriver, si nous sommes au chapitre 5, et là, il dit, puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis aussi un grand ange remarquable par sa force qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Il n'y avait personne dans le ciel, ni sur la terre qui pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup parce que personne n'était trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Oui. Donc là, on voit bien que les choses à venir n'étaient pas encore là. Oui. Là, il arrive dans cette maison, donc le ciel, dans cet environnement, et il découvre les choses qui y sont, et il dialogue avec un des anciens, voilà, et ensuite... Il voit cette scène majestueuse, c'est-à-dire l'agneau qui vient, qui prend le livre et qui va l'ouvrir. Et maintenant, les choses à venir, et c'est à partir du chapitre 6. D'accord. Chapitre 6, ok. Vous voyez ? Donc là, maintenant, donc, il faut enlever les chapitres. Oui, oui. Parce que ça nous induit souvent en erreur. Oui, oui. Donc, et puis là, ben, quand l'agneau eut ouvert l'un des sceaux, je regardais et j'ai entendu l'un des quatre... L'un des quatre êtres vivants qui disait comme avec une voix de tonnerre, viens et vois. Et je regardais, j'ai vu un cheval blanc, celui qui était monté dessus. Donc là, il commence à voir les choses qui allaient arriver. D'accord. Voilà. D'accord. Super, d'accord. Je ne vous retiens pas longtemps parce que, voilà, merci beaucoup et c'est vraiment que dans tout ça, le Seigneur soit vraiment glorifié dans nos vies. Merci beaucoup à vous. Hein. Merci, merci Nadia, ma sœur. On est là hein, pour l'abbé, c'est un plaisir hein, pour ce qui va, comment dire, pour la Bible économique, Amen. Pour ma économique. Ben, merci Seigneur, il faut qu'on se mobilise. Hein. Tu as reçu la dernière version? Amen. Est-ce que tu l'as reçue? Oui, je l'ai reçue, oui. Amen. Gloire à Dieu. Et que Dieu soit béni. Merci, merci Nadia, bon courage. Merci pour vos prières. Merci pour votre sanctification. Amen. Que vous nous donnez aussi l'envie de mener une vie sanctifiée. Que Dieu soit béni. De nous approcher du Seigneur. Amen. D'être sauvés. Waouh, c'est vraiment merci Seigneur pour tout. Gloire à Dieu. Bénédiction. Et puis on est là pour le format économique parce qu'on est tous intéressés. Hein, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, on est tous intéressés. On a envie d'avoir tout ça. Eh ben, et on est là aussi pour, il faut qu'on se mobilise, je le dis à l'antenne, parce qu'il faut qu'on se mobilise financièrement, et qu'on se mobilise, et qu'on se mobilise, et qu'on se mobilise. Amen, gloire à Dieu. Et moi, ma prière, c'est que un jour, vous ayez, et puis nous avec vous, hein, puisque nous sommes frères et sœurs, et puis que vous ayez, que nous ayons l'imprimerie. Comme vous l'avez avec joie. Amen, amen, ben, gloire à Dieu. Voilà. Amen. Que Dieu soit béni. Merci, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà, mes amis, vous voyez, quand on lit la parole en enlevant les chapitres, les versets, ben on comprend encore mieux les choses. Hein. Donc, voilà, parce qu'on a l'habitude de faire des pauses. Hein, le chapitre 5, verset 1 au verset 3, pause. Et quand on va au verset 4, on se dit, ben, c'est une nouvelle histoire. En fait, sinon, c'est la continuité. Donc, c'est comme un rouleau, vous voyez, le livre se déroule. Voilà, donc il y a une suite logique. Et là, ben, waouh, Seigneur, merci pour ta parole. Et que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Mes amis, nous osons croire que vous avez été encouragés, moi le premier, parce que quand on enseigne comme ça, quand on partage la parole, croyez-nous, croyez-moi, nous sommes les premiers à être enseignés par le Maître. Et c'est pour cela que nous voulons lui donner toute la gloire, parce que nous ne sommes que des serviteurs inutiles, de la poussière. Et nous ne sommes à rien sans Yeshua. C'est lui qui mérite toute la gloire, celui qui, n'est-ce pas, qui fait toute chose. Et on va prendre juste cette dernière personne et puis on va clôturer l'émission. Voilà. Gloire à Yeshua. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui. En fait, c'est pour poser une question sur le baptême. D'accord. Vous avez posé la question ? Oui, tout à fait. En fait, c'était pour savoir... combien de fois on peut se baptiser? Très bonne question. Oui. Ben, on se baptise une seule fois. Une seule
voilà. Mmh. Et par exemple, si, par exemple, moi, je me suis baptisée, en fait, deux fois. En fait, avant, j'étais dans une église, je me suis baptisée là-bas. Et après, avec après, j'ai changé d'église, je me suis baptisée dans cette église. Mais au fur et à mesure que j'écoute la parole et tout ça, ben, je me suis rendu compte que peut-être que les églises où je m'étais fait baptiser, en fait, c'était pas des églises vraiment qui honoraient le nom du Seigneur dans toutes les règles, comme nous entendons la parole maintenant. Et donc, je me disais, est-ce que les baptêmes que j'avais fait, est-ce que c'est des baptêmes qui c'était bien, c'est bien ou c'est pas bien? Ben, ça dépend si c'est des pasteurs, si des gens qui t'ont baptisé n'étaient pas du tout, ne craignaient pas le Seigneur, ben, oui. C'est sûr que ce baptême-là ne veut rien dire. Maintenant, si tu n'es pas convaincu, ben, il faut prier le Seigneur. Si tu n'es pas convaincu que ces baptêmes, parce que tu en as eu deux, ces baptêmes étaient vraiment, vraiment bibliques, ben, tu peux te faire rebaptiser, voilà, pas de souci. Mais il faut que tu aies la conviction, voilà. D'accord. Ok, merci beaucoup. Bon courage. Bonne soirée, au revoir. Merci. Alors, nous vous rappelons, ce lundi, nous avons une réunion avec la jeunesse. Donc, tout le monde est jeune, bien sûr. En Christ, il n'y a pas de problème. Parce que nous sommes tous des enfants. Voilà. Donc, même si vous avez 90 ans, vous êtes un enfant de Dieu. Donc, vous êtes jeune. Donc, parce qu'il y en a qui se disent, et nous. Donc, c'est une réunion de la jeunesse parce que, Vous allez dire qu'ils font beaucoup de réunions avec la jeunesse et pas avec les hommes, les femmes mariées, tout ça. En fait, c'est parce que la jeunesse, justement, voilà, et l'église à la fois d'aujourd'hui et de demain. Donc voilà pourquoi nous voulons particulièrement les préparer à prendre la relève, voilà, à comprendre, à connaître leurs responsabilités. Et voilà pourquoi nous avons organisé cette réunion ce lundi, parce que c'est lundi, c'est une journée fériée, un jour férié. Voilà, et nous vous rappelons aussi qu'il y a une mission en juin à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, voilà. À chaque fois je me trompe, là. À la Polynésie française, donc les frères et sœurs de la Polynésie sont beaucoup encouragés, nous autres aussi, mais priez pour nous, parce que c'est quand même 20 heures de vol, mes amis, et 20 heures et quelques, hein, donc waouh, Seigneur, sauve-nous. Mais par amour pour le Seigneur, parce qu'il nous a dit d'aller jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer l'évangile, ben, on veut obéir à cet ordre, et aussi par amour pour les frères et sœurs qui sont là-bas, parce qu'ils aiment tellement le Seigneur, que bon, ben, on se dit, on va faire ce grand pas pour nous encourager. On ne va pas dire pour les encourager. C'est comme si nous ne pouvons pas être encouragés par eux, parce qu'ils ont aussi le Saint-Esprit. Donc voilà, nous avons aussi des choses à recevoir de vous. C'est ça le corps, hein, donc c'est la communion, on partage. Merci à l'équipe technique, merci pour vos prières, merci pour votre compréhension, merci pour votre amour pour le Seigneur Yeshua. Vous êtes de plus en plus nombreux à comprendre ces choses-là, et qu'il faut plus aller vers le Seigneur que vers les hommes, vers nous. Que notre message, comme vous le savez, notre message n'est pas là pour, ne dit pas qu'il faut chercher à courir après nous, mais c'est plutôt aller vers le Seigneur. Et voilà, mes amis, en tout cas, et demain soir, il y a une émission aussi avec un couple qui vient d'Allemagne. Alors, c'est un couple que le Seigneur a vraiment appelé, ils sont jeunes, et lui, il joue de la guitare, il chante aussi en même temps, elle aussi, elle chante, et ils vont chanter, ils vont partager la parole en allemand, plusieurs langues, et on va se laisser guider. Vous savez, quand l'église est née, elle est née avec plusieurs langues, 120 langues. Donc je crois que Dieu par là voulait nous montrer qu'il faut que les barrières sautent. Voilà, les barrières linguistiques, tout ça, ça doit sauter. Et tous les moyens, ils sont bons pour, enfin, tous les moyens que Dieu nous donne, bien sûr, pour évangéliser. Donc demain, je crois qu'à partir de 19h30, il y aura cette émission. Et voilà, pour partager la parole avec ce couple, au nom de Yeshua, que Dieu vous garde. À bientôt, au revoir.